Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser le modulo pour savoir si un nombre est pair. Alors déjà on va regarder donc le modulo, donc c'est le reste de la division entière. Alors on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une division entière. Alors par exemple si on fait 27 divisé par 4, donc ça me donne 6,75. Donc là c'est une division qui n'est pas entière, c'est une division avec des virgules. Donc en Python, si on veut rester, si on veut faire une division entière, donc c'est 6, et là on met pas une fois, on fait barbare pour avoir le résultat de la division entière. Donc là, on fait bien une division entière, donc dans si je fais 4 fois 6, j'ai 24, donc c'est inférieur à 27, donc on a 6 fois 4, et puis il y a un reste. Alors pour accéder au reste, on va utiliser justement ce fameux opérateur modulo. Donc on va faire 27 modulo 4 et ça va me dire que ça fait 3. Donc c'est le reste de la division entière. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que 6 fois 4 plus 3, donc plus le reste, c'est égal à 27. Donc cet opérateur, il me permet d'obtenir, donc le modulo, ça me permet d'obtenir le reste. Alors ça c'est intéressant parce que pour savoir si un nombre il est divisible par un autre, on va regarder le modulo. Par exemple, quand on se pose la question est-ce que 27 est divisible par 4, on va regarder le modulo. Si ce modulo il est différent de 0, ça veut dire que le nombre 27 n'est pas divisible par 4. D'accord? Alors par exemple, si je veux savoir est-ce que 28 est divisible par 4, je vais écrire 28 modulo 4 et je vais dire est-ce que c'est égal à 0. Donc c'est égal à 0, ça veut dire que 28 est divisible par 4. En effet, 4 fois 7 égale 28. Donc le fait de faire ce test-là, est-ce que 28 modulo 4 est égal à 0? Si c'est true, ça veut dire que 28 il est divisible par 4. Et par exemple ici, si on le fait avec 27, c'est false, donc c'est pas égal à 0, donc 27 n'est pas divisible par 4. Alors là, on va regarder un exemple. Donc on peut utiliser ça dans un programme. Donc là on prend ce programme là qui nous demande un nombre, qui nous demande un diviseur, et si ce nombre, le modulo de ce nombre par le diviseur est égal à 0, on dit que c'est divisible, sinon c'est non divisible. Donc là, on va faire un run. Donc on fait par exemple 27, est-ce qu'il est divisible par 4? Non divisible. On refait un run, par exemple, je sais pas, 30, allez hop, divisible par 4, non divisible, normal. Et si on fait par exemple 28 et on fait 4, il va nous dire que c'est divisible. Donc là, on est arrivé donc avec ce programme-là donc à utiliser notre modulo. Alors nous, notre objectif, c'est une histoire de parité. On veut savoir si un nombre, il est pair ou pas. Alors être pair, c'est être divisible par 2. Donc par exemple 14 modulo 2 c'est pair, donc 14 est pair parce que 14 modulo 2 ça vaut 0, 9 modulo 2 ça vaut 1, donc 9 n'est pas pair. Donc là ce qu'on va faire c'est on va adapter un peu notre programme. Alors là pour la parité, si on veut savoir si le nombre il est pair, c'est toujours 2 comme diviseur, donc là on s'embête pas, on va mettre un 2. Ensuite, le message qu'on veut obtenir, donc si on fait fonctionner ça par exemple avec 14, on va déjà faire un petit essai, c'est pas mal d'essayer au fur et à mesure. 14, il nous dit divisible. Alors nous, notre programme, c'est pas, on ne veut pas savoir si c'est divisible ou pas, on veut savoir si c'est pair. Donc là, j'essaye, si je lui donne 14, il me dit qu'il est pair. Si je lui donne par exemple 11, il me dit non divisible. Donc non divisible, ça veut dire n'est pas pair, donc n'est pas pair, donc le contraire de pair, donc on dit qu'il est impair. Donc on refait un dernier fonctionnement, un essai avec un nombre impair, 9, et on va faire un autre essai avec un nombre pair, par exemple avec 100, ça me donne bien. Donc j'ai bien réussi à atteindre mon objectif hein, avec le modulo, à savoir si mon nombre était pair ou impair. Donc on va s'arrêter là. Donc sur ce, je vous dis merci pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.